Sur la conférence francophone ESRI 2018, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un projet Interreg, un projet d'ampleur avec vous, Franck Coquel, bonjour. Vous êtes chef du groupement information géographique au sein du SDIS 59, donc du Nord. Oui. Et à vos côtés, Ali Kefi, bonjour, c'est pas facile avec le micro. Vous-même, bonjour, vous êtes ingénieur de projet au sein de l'ICEP, qui est l'Institut scientifique de services publics de la région Wallonne, donc en Belgique. C'est bien et, ça. Et effectivement, nous allons voir avec tous les deux ce projet qui est d'ampleur d'un point de vue géographique et territorial, et puis également d'ampleur d'un point de vue des partenaires impliqués, puisqu'il y a 26 partenaires qui sont impliqués dans ce projet donc, qui s'appelle Alarme. Alors, peut-être avec vous, pourquoi s'appelle-t-il Alarme ? De quoi s'agit-il exactement ? En fait, le projet Alarme est un projet Interreg qui a pour but le renforcement de la coopération opérationnelle des services de secours tout le long de la frontière franco-belge. Ça veut dire que ça regroupe pas moins de 26 partenaires et qui couvre en fait tous les acteurs de la sécurité publique, de la sécurité civile, pardon, en matière de territoires qui prennent en compte le Hauts-de-France ainsi que le département des Ardennes du côté français. Et du côté belge, on a la région de Flandre et la région wallonne qui est également concerné par le projet. Deux pays, quatre régions. Vous avez fait un petit lapsus parce que c'est quelque chose que l'on a pu déjà voir pour la sécurité publique, les coopérations entre douaniers par exemple et gendarmes. Mais d'un point de vue-là, en fait, sécurité civile, c'est complètement inédit. Pourquoi ? C'est complètement inédit parce que jusque-là, donc, les thématiques notamment policières ont été malheureusement un peu mises en évidence au cours de ces derniers temps. Par contre, en matière de sécurité civile, quelque chose était encore à construire à l'échelle, on va dire, d'État à État et surtout dans un cadre qui est celui que nous voulons mettre en place. Cela veut dire qu'au-delà des initiatives qui existaient au niveau local, que ce soit au niveau de certaines zones de secours, de services de secours ou voire même de certaines casernes vis-à-vis de leur vis-à-vis en Belgique, ou en Flandre, nous n'avions pas de réel cadre pour pouvoir organiser en fait toute cette collaboration qui est souhaitée en fait depuis la base. Alors ce projet Alarme a été débuté donc au 1er octobre l'an dernier, il y a deux ans en fait, en 2016. Il est prévu pour s'étendre jusqu'à quand, Franck Coquel ? Et finalement, qu'est-ce que ça va changer dans les habitudes déjà prises, par exemple pour vos SDIS 59 ? Alors il est prévu d'aller jusqu'octobre 2020. Donc 4 ans. L'objectif est de se connaître, de coopérer de manière opérationnelle dans un premier temps et également de manière technique puisqu'il est prévu d'établir une plateforme SIG commune à tous les partenaires qui permettent de connaître aussi bien les moyens opérationnels répartis le long de la frontière et dans toutes les zones du territoire liées au projet, mais également d'en connaître les risques et la possibilité de mutualiser ces moyens opérationnels de manière transfrontalière. Donc pour le SDIS, c'est un atout majeur que de faire partie de ce partenariat pour avoir une possibilité de déployer les moyens, la solution la plus rapide, adéquate pour le secours à personne et la lutte contre l'incendie et également pour le risque particulier. Alors comme l'expliquait Ali Kefi à l'instant, en fait, il y avait déjà des initiatives qui existaient auparavant de part et d'autre. Ça veut dire que la base existait déjà ou vous avez dû remettre en place un recensement des matériels, des risques ? Alors, il a fallu s'entendre sur un modèle de données, ressources, moyens de secours de part et d'autre de la frontière et dans toutes les zones et de s'entendre sur une typologie pour constituer cette base. Il y a déjà des liens opérationnels puisque vous avez pu le voir dans le cadre d'opérations importantes comme à Guilanguin, que les secours français sont intervenus de côté belge, mais également les secours belges interviennent côté français. Mais ça ne se faisait pas de manière organisée grâce à une plateforme SIG et à une coopération transfrontalière aboutie. Et donc c'est le but du projet, c'est de lancer cette plateforme SIG qui va permettre à tous les acteurs d'être plus efficace, plus performant. Alors, on va le voir, il y a aussi une dimension peut-être politique, il y a l'implication de la métropole européenne de Lille, par exemple, qui se charge de ce volet politique pour convaincre les élus. On l'a vu, là, ça va changer aussi d'un point de vue réglementaire. Finalement, vous avez bousculé les choses, y compris jusqu'à convaincre le président Macron de prochainement aller plus loin en fait, dans des accords transfrontaliers. Alors, en effet, il n'y a pas de possibilité, d'un point de vue juridique côté français, de conventionner en termes de secours avec la Belgique, avec les moyens belges.
Et actuellement, il y a un projet de convention qui est à signer entre le ministère des Affaires étrangères et la Belgique pour pouvoir nous offrir ce moyen d'intervention conventionnée en Belgique. Par contre, il est tout à fait possible à l'heure actuelle pour la Belgique d'intervenir, de conventionner avec la France. Et donc cette avancée va permettre de légaliser et de renforcer cette coopération. Alors le projet Alarme, c'est donc destiné à équiper notamment les PC de commandement de chacun des centres opérationnels, de plusieurs types d'applications, de plusieurs types de plateformes, de quoi? Alors, il est prévu d'établir une plateforme SIG à partir de logiciels libres développés notamment par l'intermédiaire de l'ICEP. Mais cette plateforme est très longue à réaliser. Les modèles de données seront assez lourds à mettre en œuvre et la donnée doit être fiabilisée. C'est pour cette raison que le 18 Nord a proposé en novembre 2017 de réaliser une web app ESRI qu'on appelle GeoAlarme, qui permet à chacun des acteurs de connaître mieux leur territoire, d'appréhender mieux les moyens qui sont à leur disposition, de visionner les risques du territoire du projet et notamment d'effectuer de l'analyse et de prendre des décisions en fonction d'outils qui sont mis en place, d'isochrone à 7, 12 minutes qui permettent d'évaluer localement des zones du territoire pour déployer des secours les plus adéquats. Y compris en fait sur des risques modérés, courants, oui. Des interventions courantes. Tout à fait. On s'est donné les moyens de coopérer sur les risques courants, quotidiens, mais également sur le risque particulier. C'est la raison pour laquelle le projet est très lourd à mettre en œuvre en termes de base de données et de SIG. Ali Kefi, en fait, quand on pense à un projet franco-belge, ce n'est pas forcément un projet francophone. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans la mise en place, en fait, dans le fait de lever en fait la barrière de la langue, notamment oui, avec le flamand? En effet, nous ne pouvions pas passer sous silence cet aspect des choses, étant donné que nous avons quand même dans le partenariat des interlocuteurs et des partenaires flamands qui couvrent notamment le territoire de la province de Flandre occidentale. Et à partir de ce moment-là, donc, nous avons été bien sûr obligés de devoir faire des correspondances, que ce soit en matière de traduction au niveau de nos séances de travail, des documents rédigés, mais aussi des correspondances dans les vocabulaires utilisés. Parce que de façon peut-être un peu surprenante, même si par exemple en Belgique francophone et en France, nous parlons tous français, mais nous n'utilisons pas nécessairement les mêmes sémantiques et le même vocabulaire strictement. Donc finalement, l'exercice se fait donc aussi bien entre flamands et francophones, mais entre francophones également. D'accord, effectivement. Vous avez mentionné le fait que effectivement cette plateforme et cette web app allait être utilisée d'un point de vue opérationnel et du point de vue PC. Est-ce qu'elle va être connectée à d'autres outils d'intervention, d'autres outils géographiques qui sont à l'heure actuelle utilisés au sein des SDIS? Alors, il est possible d'interconnecter ces données et ces analyses à des systèmes d'opérationnels. C'est un objectif final très, très important pour les SDIS et pour les zones de secours que de pouvoir déclencher l'alerte de part et d'autre de la frontière tout en communiquant avec les systèmes d'alerte. Et je dirais que la web app est cette prise de contact qui va permettre de prendre connaissance et de transférer, je dirais, de passer le relais à une plateforme plus complète et plus connectée à l'avenir. Donc on a, comme je disais, opposé un système libre ou éditeur, mais là on a plutôt l'habitude de dire que c'est opposé et pour cette fois, je dirais que ce sont des outils complémentaires puisque la web app va nous permettre d'aller vite et la plateforme va nous permettre d'aller plus loin. Un outil qui va servir d'un point de vue opérationnel, un outil qui va servir aussi d'un point de vue analyse et connaissance des risques potentiels? Oui, tout à fait. Puisque nous allons pouvoir afficher les flux des différents partenaires qui sont des directions régionales d'environnement étudier les risques et qui ont pour cette mission de part et d'autre de la frontière, hein, qu'ils soient belges ou français, et afficher ces flux tout en laissant la possibilité aux partenaires de maîtriser leur information et de nous la transférer, c'est la possibilité d'avoir une information la plus à jour possible. À côté de cette possibilité, il y a aussi la mise à jour à distance qui est offerte aux différents partenaires de leurs moyens de secours.
au travers de la web app qui va permettre d'enrichir et d'actualiser le plus souvent possible et le plus rapidement possible la donnée. Alors un projet Interreg est intéressant d'un point de vue de l'Europe avec toutes les frontières que les deux pays peuvent avoir avec les partenaires. Est-ce que vous pensez que votre modèle, à partir du moment où il sera abouti, pourrait être appliqué à l'Espagne, à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Allemagne aussi ou aux Pays-Bas en fait, d'un côté comme de l'autre ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose en fait que nous avions déjà considéré lors du montage du projet et nous nous étions dit que l'idée était de capitaliser sur l'expérience qui était la nôtre pour essayer justement d'en faire un peu un état des bonnes pratiques de façon à ce que si d'autres régions européennes étaient également intéressées par la mise en place d'une initiative et d'un projet comme la nôtre, qu'on puisse finalement leur faire part de notre expérience et surtout leur faire gagner un temps utile pour pouvoir mettre en place finalement les bons outils et surtout leur éviter une série d'écueils qui pourraient être à la fois chronophages mais aussi pas mal de choses pénalisantes au niveau de la gouvernance publique. Et juste pour avoir une petite idée, 26 partenaires, ça veut dire combien de personnes impliquées dans ce projet-là au total ? Au total, je pense que si on doit faire le décompte de toutes les personnes réellement impliquées sur le projet, je pense qu'on n'est pas loin, on doit probablement dépasser la cinquantaine de personnes qui doivent être quasiment au quotidien concernées par ce projet. Après, à côté de ça, bon, peut-être que Franck peut ajouter. D'un point de vue opérationnel, l'objectif du projet est aussi de favoriser une coopération opérationnelle locale par l'intermédiaire d'officiers de liaison, belges et français, qui permettra à terme d'avoir plusieurs centaines de personnes impliquées par ce projet. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté en quelques minutes à peine un projet aussi vaste et aussi large. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres découvertes sur cette conférence SIG 2018 sur SIG TV. Au revoir.